les belles femmes comme ça. Mais, non, je vais gérer avec lui aujourd'hui. Toujours lui, et on ne fait rien dans le quartier. C'est ça, moi, je vais tuer ça. Non, je vais tuer ça là. Et il a la forme. Frodon, Frodon. Bonjour, grand frère. Comment tu vas? Ça va très bien. Bonjour, monsieur. Et ta soeur? Elle va bien, elle va bien, super bien. Et je veux te commander, achète-moi du thé là, m'achète ça là. Achète-moi pour 5 000. 5 000, oui. Oui, suis votre numéro. Oui, achète ça sur mon numéro. Oui, s'il te plaît. On peut pas m'acheter ça, s'il te plaît. Pas vite, s'il te plaît. 5 000, hein. Tu as mon numéro, non? Bien sûr. Oui. Ça va? Oui, ça va, monsieur. Mais tu fais quoi avec ce jeune homme? Ah, c'est mon petit ami. Ce vaurien? C'est ce que Dieu m'a donné. Non, mais tu ne mérites pas ce jeune homme. Avec ta beauté, tu ne mérites pas ce jeune homme. Mais tu crois qu'il peut prendre soin de toi? C'est pas le choix. Avec cette beauté-là? Ah, t'es mal, j'en ai une. Non, mais tu ne mérites pas ce jeune homme. Ce vaurien-là, il peut faire quoi? Il peut faire quoi pour toi? Moi, je suis là, je vais prendre soin de toi, ma chérie. Ce qu'on va faire, là, je vais te laisser ma carte et prendre ton numéro. Là, voici ma carte. Je vais prendre ton numéro. Tu deviendras me joindre. Ok, il faut libérer ce jeune homme. Ah bon? Je suis là, je prends soin de toi, ma chérie. Je prends soin de toi. Ça me fera beaucoup plaisir. Là, c'est ton numéro? Oui, c'est mon numéro. Là, je vais bipper là, tu vas avoir le numéro. Ok, boss. C'est bon? Oui, j'ai reçu ça. Okay. Là, je vais t'appeler. Je vais t'appeler après, moi, chez moi. Il y a pas de soucis. D'accord? Merci beaucoup de temps. Ok, au revoir, monsieur. Au revoir. Allez, va. Ça va? Oui, ça va. Sinon, toi, tu fais quoi dans la vie? Je suis étudiante. Et ça ne te dit pas d'avoir une grande boutique? Si, mais bon, comme on n'a pas les moyens pour le moment, j'ai pas le choix. Et tu crois qu'avec ce jeune homme, tu peux réussir ça ta vie? Oui, on sera ici. Non. Moi, je veux changer ta vie. Comment? Je veux faire de toi une vraie femme. Ah. Oui. Non, il faut laisser ce jeune homme. Il ne vaut rien. Il vient accrocher ses parents. Et tu crois qu'il peut prendre soin de toi? Regarde ça. Tu crois qu'il peut prendre soin de toi? Non, je suis sérieux. Je veux prendre soin de toi. Si je dois ne vaut rien, moi je veux changer ça. Tu vas devenir une vraie femme. Hmm? Tu vas la ranger comme un dossier à eau. Waouh! Oui. Exactement. Frodo, mais tu fais quoi là? En plus de ça, tu me salues. Mais tu fais quoi ici? Moi, je suis le tanker. Ok. Mais c'est quoi? Frodo, s'il te plaît. Allons dedans, madame. Je vais te parler. Oui. Si, le monsieur là, il est qui pour toi? Quel monsieur? Ton monsieur là, le boss qu'on a vu tout à l'heure. J'ai un grand frère du quartier. Il est généreux, hein, il aime les jeux. Quand tu le vois, un petit 500, un petit 1000 francs, quand tu lui fais un service, tu auras un service. Donc allons-y. Non, s'il te plaît, attends. Au fait,
Quand tu étais parti pour lui acheter des unités là, le monsieur là tellement, il t'a dénigré que, il m'a dit que qu'est-ce que je fous avec un vaurien comme toi. Et il m'a même donné sa carte. Oui, je te jure, il m'a donné sa carte. Regarde, c'est pas son nom ça. Celui qu'on vient de rencontrer. Oui, il m'a donné sa carte. Il a dit qu'on va se rencontrer tout à l'heure dans un bar pour discuter, qu'il va prendre soin de moi, que toi tu ne peux pas prendre soin de moi. Preuve de discussion, Bon frère, fils. En tout cas, il faut garder la carte, il n'y a pas de soucis. Nous avons touché. Oui, il n'y a pas de soucis. Tiens, c'est lui qui m'appelle. Bon. Réponds, tu nous réponds, et s'il t'invite, tu acceptes le programme. Et tu m'informes sur le nom de la route, on va gérer. Il n'y a pas de soucis. Oui, allô? Oui, monsieur, ça va? Oui, ça va bien. Ok, oui, il y a un bar qui est juste à côté là. Ok, on se voit en plus dans 5 minutes. Ok, d'accord, à tout à l'heure. Oui, bisous. Dis quelque chose. 11h pour nous d'abord. Donc, c'était votre plan? Rodo! Donc c'était votre plan. Tu n'as même pas honte. Écoute, parce qu'il ne parle pas. Il parle pas. Moi, je vais le gérer. Vous savez, vous êtes grand, on vous respecte. Et après, c'est ce que vous faites. Mais vous oubliez que nous sommes quelque part où on ne distingue pas petit et grand parfois. C'est pas normal. Mais je ne parle pas à ton grand frère. Hein? Quel grand frère aujourd'hui tu... Là, maintenant, tu n'es plus grand frère. Avec ce que tu me fais là, tu deviens mon Benjamin en fait. C'est ça. Tu deviens mon Benjamin. Oh, chérie, c'est... Regardez. Pardon. Donc c'était votre plan. Pardon. Regardez ça, t'es ton direct cabaton. Et voilà. Quelqu'un est responsable pour faire ça. Tu me piques ma meuf comme ça. Parce que tu m'as fait aujourd'hui, tu me commandes ta tête et tu reviens. Tu me fais ce coup comme ça. C'est quoi? C'est que je vais te faire une confiance. Mais tu parles à ton grand frère. Écoute-moi. Ne me regarde pas. Tu peux regarder ailleurs. Nous sommes dans un pays noir. Et je suis béninois. Je suis béninois. Et si tu ne sais pas faire, tu ne sais pas faire, je vais te montrer ce qu'un petit béninois que peut faire un grand. Quelqu'un qui se dit grand. Ma chérie. J'espère que tu as compris la leçon. Je n'importe quoi. Allons-y. Mais, Frodo. Mais c'est pas dans le scénario. C'est pas dedans.